Monastère Varlam, trop beau. On est arrivé hier à Athènes. Alors là, on est dans la ville de Kalambaka. Et puis, juste derrière nous, ça, c'est les météores. Alors en fait, c'est des monastères qui sont construits au sommet de falaises, d'énormes falaises. Le but de la journée, c'est d'aller les visiter un petit peu à pied. Une quoi ? Une tortue. Une tortue ? Ah ouais. Là, une super tortue. C'est juste... Aujourd'hui, on part direction Lefkada. C'est une île qui fait partie des îles Ioniennes. Donc on va aller au bord de la mer. Et ça, c'est tout à l'ouest du pays. Elle est bonne, l'eau ? Oui, elle est bonne. Pas trop chaude, pas trop froide. Ça va. On continue notre visite de Lefkada et là, c'est la plage de Porto Katsiki. C'est franchement magnifique, vraiment. Il y a une belle falaise derrière, là, un peu claire. Et puis une belle plage blanche. Et puis l'eau vraiment super azur, vraiment un bleu superbe. Alors, troisième plage de la journée et on est à Megali Petra. Alors celle-là, pour accéder, c'est une route un peu étroite, assez longue, et puis après une petite 5 minutes de marche, on a mis les baskets. Des spaghettis au fruits de mer, des moules, des crevettes, des calamars, et voilà. Et moi, j'ai pris un gyros. C'est un pain pita avec de la viande découpée en lamelles. J'ai pris du poulet, des frites et de la sauce tzatziki. Ça, c'est magnifique. L'arrivée sur la plage, c'est trop beau. On a décidé d'aller regarder la plage de Milos. So old farm, like speeding trains in the passenger car. And I remember that you still came back for me. I tried.
tried to run and hide, but you were by my side. I can remember thinking you were crazy, love, but I don't mind. You wouldn't let me go, you let me take it slow. And now my heart is changing, I've been thinking, baby, I wanna love you better. Le dernier jour à l'Efkada, et là on est sur la plage Agios Ioannis. Il y a quelques moulins juste autour. Et l'eau est superbe, elle est transparente, c'est trop bien. When you first said hello, I was blind and I didn't know. I remember that you love lit up the dark, but I couldn't seem to find that spark. I remember when you gave it your all, climbing walls that I wouldn't let fall. I remember when they did, you stuck around. I tried to run and hide, but you were by my side. I can remember thinking you were crazy, love, but I don't mind. You wouldn't let me go, you let me take it slow. And now my heart is changing. On a mis la voiture juste là, comme on fait en Grèce, sur le bord de la route. Là, c'est parti pour 4h30 de route. Bye bye, l'Efkada. Alors on est dans l'avion là, on est à Athènes, donc on a dormi la nuit près de l'aéroport et on va aller sur l'île de Milos. Le temps de vol c'est environ 40 minutes, c'est assez proche. On est bien arrivé à Milos et on a loué cette bagnole. Il y a 2-3 routes qui sont en mauvais état, donc c'est conseillé de prendre un 4x4. Le programme de la journée, c'est de visiter 3 petits villages. Le premier village, c'est Plaka. C'est un village qui est tout en hauteur. Et puis après, on voudrait aller voir Klima, c'est un petit village de pêcheurs. Et le village de Tripiti. Le repas, il est vraiment monstre bon. On a pris plein de médias, que des boulettes. Donc ça, c'est des boulettes de viande. Ça, c'est boulettes de fromage avec un peu de menthe dedans. Ça, c'est boulettes d'aubergine. Méga, méga bon. Avec cette salade-là, incroyable. Alors ça, c'est des routes de l'île de Milos. C'est assez poussiéreux, caillouteux. Puis il y a pas mal de parties sans bitume. Alors là, c'est pas mal d'avoir loué une voiture un peu plus haute, une sorte de petite Jeep. On est arrivé à Sarakiniko, un des highlights de l'île. C'est magnifique. Thank you.
vient d'arriver à Santorin. Et on a pris ce bateau, ça a secoué un petit peu. Hein. Un petit peu, ouais. Il veut qu'on danse. Mais nous on sait pas danser les danses traditionnelles. Mais nous on sait pas danser. Ça c'est comme ça. Ah ça c'est bravo. On est revenu de notre balade. On se repose un petit peu. Et à Santorin, ce qui est beau, c'est les hôtels. Alors là, on va faire quelques vidéos et photos à notre hôtel tranquille, comme ça on n'a pas besoin de ressortir parce qu'on a fait assez de marche aujourd'hui. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat. Down over your eyes, every part of you wants to surrender, darling. You were meant to survive. Les 14h, on a passé toute la matinée à visiter Oya. C'était vraiment super beau. Des maisons blanches, des coupoles bleues, des fleurs partout. Voilà, on est bien arrivé à Athènes, on attend nos bagages et on va prendre le métro. Notre hôtel, il est par là. Je pense qu'on va avoir beaucoup de ruines aujourd'hui. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat.